Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tutoriel d'utilisation du logiciel Anagen dans le but de construire un tableau de comparaison entre différentes molécules, soit entre différentes espèces, soit des molécules homologues au sein d'une même espèce. Donc cette comparaison peut se faire soit entre des gènes, soit entre des protéines, car je vous rappelle que la séquence de nucléotides d'un gène détermine la séquence d'acides aminés d'une protéine. Donc comparer la séquence des protéines permet indirectement de comparer la séquence des gènes. Donc dans notre exemple, nous allons chercher les molécules dans la banque de données comme d'habitude, donc il faut ouvrir. Alors, ici c'est déjà ouvert, mais si on remonte dans la banque de données, nous rentrons dans Anagen. Dans notre exercice, imaginons qu'on parle d'évolution, je vais dans évolution. Imaginons à présent qu'on me demande de comparer des gènes de globine de vertébrés. Je vais dans le dossier qu'on m'indique et j'ouvre mon fichier. Donc voici des séquences d'acides aminés, donc de la protéine, de la bêta-globine chez différentes espèces, le thon, le chien, corbeau, manchot, poule et souris. On vous demande de construire un tableau de comparaison de ces gènes chez ces différentes espèces. Donc vous les sélectionnez et vous les comparez. Par défaut, si on ne le précise pas, faire toujours un comportement, une comparaison avec discontinuité. On clique, notre comparaison est faite. Comment se connaître le pourcentage de similitude ou de différence de ces différentes protéines, ou alors tout simplement le nombre d'acides aminés similaires ou différents. Vous cliquez ici sur traitement qui surligne toutes les molécules qui ont été comparées, et vous allez ici à informations sur la ligne pointée. Voici ce qui apparaît. On vous donne plusieurs informations, alignement, multiple, séquence peptidique, donc de protéines. On vous donne plus ou moins des indications ici. On vous parle de la globine bêta du thon, ici. Et on vous précise bien que c'est la référence pour la comparaison. Je vous rappelle que la première séquence, le plus en haut sur Anagen, constituera la séquence de référence. Donc, dessous globine bêta du chien, par rapport au thon, il y a 73 acides aminés différents, ce qui nous donne identiques, ce qui nous donne 50% d'identité. À vous de remplir le tableau en fonction de ce que l'on vous demande. Et ainsi de suite, globine bêta du corbeau, 69 acides aminés identiques, donc 54% d'identité, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez rempli vos premières lignes du tableau. Toutefois, pour que votre étude soit complète, il va falloir comparer le gène du chien à celui des autres espèces. Donc, il faut retirer le thon de notre étude. On le supprime. Et maintenant, nous recommençons la comparaison. Vu que le chien est en haut, c'est celui qui nous servira de référence. Ça nous permet de comparer toutes les autres espèces au chien. Donc, je continue avec discontinuité. Je vais ici sur traitement. Je vais sur information. Pour vérifier que j'ai bien fait, on me dit bien que la séquence du chien est la référence. Je descends et j'ai toutes mes autres séquences avec le nombre d'acides aminés identiques et le pourcentage d'identité. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à la fin pour pouvoir comparer toutes les espèces entre eux. C'est-à-dire ici, si je veux continuer, je supprime le chien. Comme ça, je vais pouvoir comparer le gène du corbeau aux autres espèces qui est ici. Je peux aller chercher l'information. On me dit bien que le corbeau est la référence. Et je continue, ainsi de suite, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait tout comparé. Voilà, bon TP. Au revoir. Bon TP.